Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes. Allez, c'est parti pour l'épisode 3. Je me rappelle déjà plus ce que je faisais à l'épisode 2. Donc on va regarder ensemble. Allez, on va aller parler à Eddie. On va voir un peu. Du coup, j'ai pas trop avancé. Je le veux, lui. Je le veux. Non. Voilà. Par contre, mon inventaire, à mon avis, il doit être full. Ok. Les quêtes. Ouais, il me reste encore le truc avec là où on était bloqué avant. Alors, je vais aller voir Eddie. Je vais voir d'abord si je peux. D'accord. Non, non, je veux pas. Non, 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 non. Ok. Donc là, on peut pas les arroser. Ah, si, on peut les arroser. J'ai eu peur. C'est bien, à chaque fois qu'on les arrose, hop, ça pousse. J'ai un vrai potager là. De pas grand chose, mais j'ai un vrai potager. Tatata, nouveau message. Ouais, j'ai le truc de Frida là à faire. Okay, la romance, on verra ça plus tard. Et là, j'ai un truc à récupérer. Comme ça. On récupère tout si on a faim. Ça, c'est bon. Et ensuite. Non, c'est pas ça que je veux. Non plus. Voilà. C'est ça que je voulais. Inventaire. Tac. Oh, il y a de quoi faire là. Et papillon du jour. Okay. Je vais mettre ça vite fait avant d'aller voir Eddie. Ou Teddy. Hop. Ça, ça servira forcément un jour. Je vais garder à manger au cas où. Ça, j'en ai pas besoin pour le moment. À moins que... Voilà. Allez, c'est parti. Un petit peu long de se mettre en joue, mais ça va le faire. Oh, c'est les débuts, hein. Oh. Voilà. Comme ça, on sait où on va. On est tranquille. Ça m'étonne qu'on va pas... qu'on ne va pas augmenter nos trucs maintenant, sachant qu'on a déjà pris des levels. Ah, c'est vraiment bizarre. Bon, après... parce que là, on est au chapitre 3, et j'ai pas encore augmenté mes trucs. Alors, ça fait peut-être partie d'un chapitre. Je sais pas du tout. Ok. Moi j'en profite aussi, je par épisode, hein, de faire un petit peu de nettoyage. Niveau 5. Une chance à la faux. Ok. Et du coup, il faudra fermer ça tout le temps. Voilà. Bon, cette fois-ci, on y va vraiment. On va avoir des vraies quêtes. C'est toujours bon de faire le plein. Lui, c'est dit, il est pas très très loin. Il va peut-être me donner la canne à pêche niveau 2. Non, je pense pas. Non. Ah, ça j'en ai besoin par contre. Je vois rien avec le machin là. Voilà, abeille ouvrière. Donc ça, ça va me servir plus tard. Là, je pense pas que ça va me servir tout de suite. Hop. Il était pas par là? Il était là. Bonjour marin d'eau douce. Bravo pour avoir défraîchi ces ronces. Tu facilites la vie de tous les habitants de l'île. Merci de passer me voir. J'ai une histoire à te raconter qui te fera frissonner. Je dormais un soir sur mon matelas à bord de Grâce. Du Grâce. Le Grâce, c'est mon navire. C'est une merveille. Enfin, il était à mon réveil. Mes chaussettes étaient trempées. Rien de grave a priori. Mais en fouillant mon coffre pour enfiler une autre paire, il était rempli de poissons. C'est là que j'ai compris que Grâce était pris au piège d'un violent tourbillon et qu'il allait couler. J'ai attrapé mon chapeau de pêcheur, porte-bonheur, et j'ai plongé dans l'eau glaciale. J'ai nagé comme un fou jusqu'au rivage, puis je me suis retourné juste à temps pour voir mon Grâce englouti par les vagues. Je peux toujours construire un autre navire, mais il est impossible de remplir des ventes avec des poissons que je n'ai pas pêchés.
Il est inconcevable de laisser les habitants d'Azoria mourir de faim. Il compte sur moi pour leur fournir de délicieux poissons. Tu as toujours la canne que je t'ai donnée, n'est-ce pas? Tu penses pouvoir fournir plus de poissons au marché? Oh, trois poissons, ça devrait le faire. Hein. Allez, c'est parti. Trois petits poissons. Mettre là. Ah ouais, d'accord. Non, j'essaie de l'avoir comme ça, mais il voudra pas. Hop. À trois poissons, s'il met 2 heures. On l'a déjà. On va prendre notre temps. On a vu un épisode où on a vu 2 heures pour choper un poisson. Après, il n'a pas dit l'état du poisson. Hein. J'ai juste dit 3 poissons, il a pas dit c'était cramé ou pas. Hein. Donc, j'ai pas besoin de le mettre au feu. Ouais, c'est un délire ça. Il vient par là. Wow. Il va falloir qu'il y ait la pêche niveau 23 pour pêcher un poisson. C'est un délire. Okay. En plein 1. On va essayer de chercher ce poisson là, mais à mon avis il va pas venir par là. Je me fourvoie je crois. Est-ce qu'il y a des petits poissons par là? Ah oui, des petits poissons par là. Je vais essayer de le prendre là. J'en ai 12. Mais non mais reviens par là toi. Ouais, non, mais c'est un délire. Hein. Il y a deux poissons, il y en a bien un qui va venir dans mon truc. Allez, nickel. Bon, le temps, il n'y a plus qu'à. Ah, ouais, il emmène toute ma ligne. Enfin, je suis en train de me faire vider là. Et quand il y a celui-là? Attends, on avait eu un beau la dernière fois là, arc-en-ciel. Que je vais avoir un bateau dans les oreilles. Ah ouais. Ouais, il est coriace celui-là. Il y a par là. Ok. Un autre saumon. Là, j'en ai vu un là. Allez, bouffe-le celui-là. Dépêche-toi. Voilà, on s'en ira les porter au marché. Allez, viens par là, vite, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. T'as tout pour me faire chier. Voilà. Donc là, on va aller vite fait voir. Pas mal de coquillages là. Ça sur l'étal. Si je retrouve l'étal, évidemment. Donc je sais pas m'orienter. Putain, ça c'est à Paris. On est au centre-ville, moi. On va voir à Spencer. Voilà, ah bah c'était par là. J'ai un très très mauvais sens de l'orientation. Voilà. Et on va mettre 3 poissons. Non, mon abeille, je la garde. Trop précieuse. Et je te donne le crabe, tiens. 23 poissons. Ah oui, je les ai pas encore vendus. Du coup, je vais les vendre bien plus tard. Ouais, faut que je dorme pour les vendre. Ok, 680. J'en ai pas besoin pour le moment. Je me débarrasse. Ouais, tu dis que c'est débile, mais c'est pas grave. Il est 5 heures de l'après-midi.
Sachant qu'elle nous a dit que quand on dormait, enfin, qu'on voulait attendre le lendemain. On va aller se proposer. Avec mon abeille dans mon sac, c'est pas mal. Comme ça va être fait. On va être tranquille. Dormir. Et on dort. Pêche 60, capture de bestiole 15, autre. Ok. Donc là, on a récupéré ça et j'ai un message de Vera. Donc là, je vais peut-être avoir deux trucs à gérer. Prends soin de toi. Avec mon apprenti, nous avons entendu dire que tu comptais explorer la mine. Tu devrais prendre des potions avec toi. Elles sont légères, pratiques. Elles pourraient être utiles si jamais il t'arrivait un malheur. N'hésite pas à venir dans notre boutique pour consulter une sélection de potions. C'est comme avoir un petit docteur dans ta poche. Prends soin de toi. Vera la doctoresse. Et bon, on verra plus tard pour Vera la doctoresse. Pour l'instant, on va aller voir Eddie. Très important d'aller voir Eddie. Du coup, on va certainement avoir quelque chose, j'espère. Franchement, il joue tout seul, hein. J'adore. Je me rappelle peut-être à chaque fois, mais. Ok, une coccinelle. Oh, une abeille. Une autre abeille, et voilà. C'est trop bien par contre de pouvoir jumper comme ça là. Un plaisir. Là, je vais avoir un âge niveau 23 là, c'est sûr. Là, il y a des mouches, je sais pas si je peux les ramasser. Ouais, c'est bon. Toujours ça pris. Là, je sais qu'il y a un cocotier par là si j'ai besoin. Allez. Salut, mon premier bateau s'appelait Sandy. Une embarcation minuscule, elle a échoué au fond de la mer après qu'un poisson chat l'ait percuté et perforé sur le côté. Compléter la quête. Barbotage pour du poisson. Je sens le poisson d'ici, bien joué, tu verras avec moi, la mer n'aura bientôt plus de secrets pour toi. Grâce à toi, les habitants de la ville mangeront ce soir. Tu devrais sans doute te présenter à mes sœurs. Elles ont une femme dans la plaine d'abondance. Ça peut être gratifiant de s'occuper des animaux de la ferme, et en plus de ça, ça permet de bien manger puisqu'ils fournissent de bons produits comme du lait, des œufs et du fromage. Ouh, on part dans un truc du turfu là. J'aimerais toujours voir la mer, mais je ne dirai jamais non à un morceau de fromage. Va donc voir la boutique d'Erling. Code, code, codec, Loretta, elles ont repris l'affaire familiale d'élevage et de vente de pouleux et de lapicoton. Ok. Va voir Erling. Ok, ok, ok. T'en en fais des choses, hein. C'est bien. C'est très, très mouvementé. Hein. J'adore. On n'a pas de contrat pour aujourd'hui. Donc là, on va aller voir. Je vois pas de quoi il me parle, mais. Pleine d'abondance, ça doit être par là. Et j'ai la doctoresse aussi à aller voir. Viens voir le doctoresse un petit peu plus tard. Oh, puis les petits déplacements se font bien, ils ont bien géré au niveau de la carte, donc ça fait plaisir. Et voilà. Bonjour, j'ai vu que le chemin était dégagé, merci pour ça. Le point, ok. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ta copine Erling peut faire pour toi? En fait, dans la vidéo précédente, comme j'ai tout niqué, bah du coup, j'ai complété des quêtes et ça, c'est pas mal. Tu t'appelles dans les tags et c'est Eddie qui t'envoie. J'imagine que le vieux loup de mer a arrêté de bouder. Maintenant, ma soeur et moi pouvons t'apprendre à élever les animaux sains et heureux dans ta ferme. Sains et heureux dans ta ferme. Puisque personne ne les utilisait, c'est moi qui gardais la clé du poulailler à côté de la ferme. Tiens, je te la donne. Ton poulailler pourra accueillir le plus adorable des poules de poils, de l'apicoton ainsi que des chouchous de poules. Une fois que tu auras acheté un animal, tu devras l'ajouter à ton registre de poulailler. C'est très important. Si un animal n'est pas enregistré, il ne saura pas où est sa maison. Ton registre permet aussi de renommer tes animaux d'Agis. C'est Loretta qui choisit le nom des nôtres et elle a toujours des superbes idées. Ceci est une étape importante. Une autre créature vivante est maintenant sous ta responsabilité. Tu devrais la sortir, la nourrir, lui donner de l'attention, l'aimer. Alors le défi est dans tes cordes. Si c'est le cas, tu peux m'acheter un de ces pouleux, puis l'ajouter à ton registre, puis l'ajouter à ton registre de poulailler. Acheter un poulet et enregistrer le poulet dans le poulailler. Ok, bah on va faire ça. Ok, ok. Alors, est-ce que je l'ai acheté? Ouais. Non, j'ai pas dû l'acheter. Salut, au printemps, je cherchais. Acheter, vendre. Acheter un animal. Acheter. Ok. Et je vais acheter l'autre là en même temps, comme ça, ça sera fait. Par contre, c'est pas ouf là. Tu peux pas acheter. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Je peux pas lui parler? D'accord.
Il est où, Archibald? Ah, c'est bon, il me suit. Putain, j'ai un sacré Pokémon derrière moi. Du coup, j'ai eu la clé de quelque chose. Pour quelque chose. Donc, est-ce que c'est pas... Non, je pense pas que ça soit par là. C'est peut-être là. Là, il y a le registre. Voilà. Donc, il faut que j'enregistre après aller dans le poulailler. Exactement, c'est ça. Donc, ça, c'est la clé du poulailler. Ok. C'est vraiment bien. Tout est pensé correctement. C'est vraiment délire. Enregistre ici. Alors, X. Voilà. Incertaine. Emplacement disponible. Ok. On renomme le poulailler. Hop. Après, il va pas me suivre. Non, là, il reste là. Donc, on va aller voir Germaine. Là, on va aller chercher un lapin. Comme ça, on aura un lapin. Pas par là. Non, je prendrais bien lui en fait. Voilà une coccinelle. On monte par là. Et en plus, comme t'es pas trop dépaysé par l'affaire, c'est bien. Tu te retrouves assez vite. Oh, ouais, content de te voir, j'ai hâte de... Voilà. Alors moi je vais acheter vendre. Acheter un animal. Ah, l'apicoton. Voilà, 200. Allez, nous on va aller l'enregistrer aussi. Du coup, on aura des extensions. Franchement, c'est vraiment bien. En plus, ils sont bien faits et tout, là, j'aime bien. C'est propre. Eux, ils vont me donner des trucs. Je pense que la poule va me donner des œufs, des trucs comme ça. Du coup, après, il va y avoir du challenge, je pense. Ok, on va l'enregistrer. Incertaine, humeur incertaine. Alors, nourrir, soin quotidien, nourrir, encourager, brosser, air frais. Ok, tout ça faut que je trouve. Donc il faut s'en occuper tous les jours. Donc tous les jours, t'as la quête à faire. Enfin, une sorte de mini quête à faire. On va caresser. Je sais pas comment les nourrir. Il est arrivé. Retourne voir en ligne. Ok. Ah, Y brosser. Ça, c'est bon. Ok. À caresser. Vraiment, je sais pas comment les nourrir. Il va peut-être falloir des trucs spéciaux, je pense. Parce que là, je vois pas. Faut pas leur donner n'importe quoi. Continue. À mon avis, ils mettent 3 semaines à pousser. Hein. De fou. Là, j'y vais. Ah non, 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 non. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Ah, j'ai fait que de la merde. Ah non, mais je peux pas. J'ai fait n'importe quoi. Bah, du coup, Eddie et sa soeur, ils sont juste à côté. Hein. Ça va. Pas mal de coquillages, là, à ramasser. Je suis un collectionneur. Ça peut servir. Ton sac à dos est plein. Oh zut, qu'est-ce qu'il veut lui? J'ai appris à manier l'allergie, tout le matin on disait toujours ok. Ça n'a pas de passion, les gens les plus intéressants sont ceux qui ont une passion intense à quelque chose. Ok. Là pour l'instant j'ai besoin de. Je verrai cette quête là plus tard. Putain, je me suis paumé là. C'est malin. Hop. Ah, je suis passé par là. Ok. En fait, c'est là où je me suis éclaté pour rien. Je suis con. Elle est pas par là. Non, elle est pas par là. Là, voilà. Bonjour. Le printemps est la meilleure saison de l'année. Comme si elle avait complété la quête. Impeccable. Mes clients sont toujours satisfaits. Je parie que ta nouvelle poule est ravie de vivre avec toi. N'oublie pas de lui donner de l'amour et de l'attention, d'accord? D'ailleurs, tu pourras peut-être aller voir Eddie le dernier. Ouais, il a. Problème en poisson, pardon. Maintenant que tu posais d'une petite poule, il est temps d'aller voir ma soeur. Ça nous te rencontrer. Ok. Eh ben on y va. Sa soeur, allez, là. Impeccable. Ah, te voilà. J'adore regarder les arbres et les forts. Printemps. Déjeuner pour animaux. Oh. Quel plaisir de te voir dans les tech. Je vais t'apprendre à nourrir tes animaux. Ça ne prendra qu'une minute ou deux. Je suis sûr que tu as le temps.
Tu as acheté ton premier animal et maintenant tu dois nourrir tes animaux. Donc en laissant tes animaux à l'extérieur, ils ont de quoi prêter. Ils pourront manger sans problème. Ils ne peuvent pas prêter. Faute d'herbe, il suffit d'en planter. Certaines journées peuvent être dures pour les animaux. D'accord, donc il faut mettre de l'herbe. Donc ce que j'ai enlevé d'un côté, il faut que j'en mette de l'autre. Certains se mettront à l'abri. Ok, pour ce genre de journée, il faudra les nourrir avec du fourrage. Mettre du fourrage dans leur auge. Pour qu'ils aient de quoi manger. Les animaux n'aiment pas tous le même genre de fourrage, donc n'hésite pas à faire des essais pour différents types de plantes et d'herbes. Fais quelques heures pour récupérer la fibre de plante. Place-les. Ok. Ajoute des fibres. Ok. Bon, bon, on y va. Les fibres, on en avait déjà. Ah, c'est malin, ce sac à dos, il est plein. Donc ça va pour l'instant. Pas trop dépaysé. Assez tranquille. Et je vois vraiment pas le temps passer sur ces épisodes, c'est un truc de fou. Non, ça j'en veux pas. Je vais vider ça. J'arrête de collectionner. En plus, comme je consomme rien pour le moment, ça le fait. Oui, je vais mettre là. Il y en avait encore une. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. En moins coccinelle. Voilà. Et du coup, il m'a dit qu'il fallait du fourrage. Je sais pas combien il en faut. On va en prendre 20. Non, pas, on en jette pas, non. Tu fous, toi. On recycle. Voilà, et on va aller voir là-bas. Ça, non. Ah non. Donc ça doit être à l'intérieur, je suppose. Je suis pas sûr. Hein. Bon, dis-moi dans les commentaires où t'en es, toi. Ça m'intéresse. Là. Ah, c'est là-bas. Voilà, utiliser. Ok, impossible d'ajouter les emplacements de nourriture, ils sont déjà pleins. Si l'animal a déjà mangé aujourd'hui, cependant, tu ajoutes de la mangeoire automatique grâce à l'amélioration de Harline. Toutes les auges. Ok, donc pour l'instant, ça nous donne à manger, puis. Et plus tard, il y aura un truc automatique. Donc ça, c'est bien. Et du coup, on peut les mettre dehors. Donc on peut planter dehors. Ouais, c'est pas mal. On peut voir comment on plante dehors. Je vois pas trop là, mais. On verra ça. Et là, on va retourner voir Ginette. Hop, passer par là. On y est presque. Ça, c'est les animaux de la ferme. Voilà. Parler, pour l'instant, c'est pas elle que je dois parler, c'est elle. Bonjour, l'arrivée du printemps, j'ai l'impression. Ok, compléter la quête. Le poulot très heureux. Tu apprends très vite ton Riltech, tu as vraiment les doigts dans le sang. Je suis ravi qu'Eddie t'ait fait venir nous voir, nous sommes un peu en froid depuis qu'il a quitté l'activité familiale pour se reconvertir en marin. Eddie a toujours été un peu anticonformiste, mais c'est un bon gars, toujours prêt à aider les autres. Tu devrais retourner le voir pour lui parler de la nouvelle poulot et profiter avec lui. Ok. Ok, sacré quête. Et Eddie, il est... non, quoi, normalement. Parce que là, il y a... Ça... Ça va, ça repop pas mal. Je me dis si j'en ai besoin de tout à l'heure, au moins j'en aurai peut-être trop, mais vaut mieux trop que pas assez. Allez. Ah là, il y a un petit bug. Ok, mon inventaire est plein. Where is Eddie? Voilà. Et ouais, mon poisson préféré avec quelle question? Chaque poisson est unique, de la seule à l'espadon, je les aime tous. Yayoye la mer. Et ouais, dans les jours que c'est rond, ça allait rester là pour toujours. Bravo, marin d'eau douce. J'ai oublié une chose importante de ce qui s'est coulé, mon pauvre grâce. Le tourbillon l'a emporté, c'était un tourbillon magique. Mais en réalité, ça ne surprend personne sur l'île. Nous les attirons un phénomène magique et plus étrange. Personne ne sait vraiment quand les tourbillons ont commencé, mais je les surveille et j'ai remarqué qu'ils partent tous de la plage où se trouve l'entrée de la vieille mine d'eau salée. Je suis prêt à parier que ce qui est à l'origine de ces tourbillons se trouve quelque part dans la mine. J'irai bien vérifier par moi-même, mais la mine est fermée depuis que Théo a réussi à y rabattre tous les babazars. Oh, les babazars sont les objets animés par la magie sauvage. Un jour, mon gouverneur s'est détaché pour se jeter sur moi. C'était dingue, mais bref, on a réussi à tous les faire rentrer dans la mine. J'ai vu ce que tu as fait avec ton bordant magique, peut-être bien que tu pourras aussi t'occuper de quelques babazars. Il va bien falloir si tu veux trouver l'origine des tourbillons. En revanche, il te faudra la clé des mines d'eau salée. Va donc trouver Cléo. Ok, donc on va aller voir Cléo. Impeccable. On fait ça.
Donc ça va assez vite. Attends, au port peut-être. Je sais pas si Cléo il va être là, il faut que j'y parte. Aspen, non, je veux pas aller voir tout de suite. Frida. Erling. Ah, Vallée Luxuriante. Cléo. Ok. J'ai plein de trucs à faire là par contre. C'est un truc de dingue. Hop. Contact. Je sais pas s'il est très très loin lui ou pas. Ça, ça me dit rien. On a déjà fait cette partie là. Parce que du coup j'ai été visiter pas mal de trucs où je devais pas aller de base. Ah, dis-le, Cléo. Ah, c'est une blague. Ah ouais. Merde, il est où ce coup? Ouais, ça clignote de partout là. Ah, Cléo, il est à la plage maintenant. Ah ouais. Ah bah voilà. Salut! Aventure sur mes retraités en panique sur la... J'ai choisi de passer ma retraite à Azoria à cause des mystères que cette île renferme. Ça et puis la mère m'a proposé d'acheter une maison pour un florin. Complétez la quête. Ok, nouvelle quête. Ah, tu es là pour l'aventure, j'ai enfin de la chance de te croiser. Pas de fausse modestie, Droitec, je sais que l'explorer inconnu est ta passion. Tu as traversé un océan, bon sang, ce n'est pas rien. Moi c'est Chloé, la plus grande aventurière d'Azoria, ton nom était sur toutes les lèvres hier soir. Ah, la bestiole tranquille, que puis-je faire pour toi? Eddie t'a dit de venir récupérer la clé des mines d'eau salée. Waouh, je ne sais pas si je peux te faire confiance. Désolé, ce n'est pas personnel, mais nous avons verrouillé les mines pour une bonne raison et je ne peux pas laisser personne y pénétrer. Les gros du bazar. J'avoue que tu as fait l'excellent travail avec les ronces. Tu sais quoi? Si tu me prouves que tu arrives à te débrouiller là, dessous, je te donne la clé. Pour moi, tu es attaqué par une potion, ça, une plat pour me faire un plat. Pour vous prouver que tu es là, va t'acheter une potion de soin et cuisine quelques plats pour faire le plein d'énergie. Ok, prépare la collecte de la nourriture. Ouais, acheter une potion à Vera. Prépare et collecte de la nourriture pour les mines. Acheter une potion à Vera. Ok, pourquoi pas. Ok. Ouais, j'ai des amis partout en fait. Ça, c'est le facteur. On l'a vu tout à l'heure. Ok, donc là, je vais aller voir Vera. Qui a vu Vera? Ça, si t'es vieux, tu connais. Si t'es trop jeune, tu peux pas connaître. Frida, putain, elle est où Vera? Ok. Where is Vera? Je la trouve pas. Elle est par là? Ah ouais, ah, c'est dommage. Mais si je peux pas la trouver, ça va être compliqué. Comment tu veux que je trouve Vera si je l'ai pas? Achète une potion à Vera, la doctoresse du village. Ah, ah, de toute façon, je vais aller la voir. C'est pas un problème, mais pour l'instant... Hop. Okay. Pour l'instant c'est pas ça le problème. Donc il faut se cuisiner des trucs et aller voir la docteur. Donc air frais. Comment il fait pour sortir? Ah d'accord. Je sais pas comment on peut faire pour la sortir. Santé, énergie, mana. Bon, je regarde comment je fais, je sais pas. Me suivre, vendre l'animal. Non, mais je veux pas qu'elle me suive aussi. Ouais, d'accord. Donc on les laisse dehors, ils me suivent pas. Si, ils vont me suivre. Ça va être chiant s'ils me suivent. Ok. Là, je vais en ajouter. Voilà, ça, ça va être fait. Il me restera plus qu'à trouver Vera. Et on m'a dit que Vera, c'était la doctoresse du village. Il
îlot, ouest. Ah, Vera. Qui a vu Vera? Voilà. J'avais mal regardé tout à l'heure. Donc là, air frais, faut attendre un petit peu. Pour l'instant, c'est bon. Ok. J'ai déjà pas mal de trucs. Voilà, 6. J'ai déjà pas mal à manger. Je sais pas pourquoi. Il m'a pas pris en compte que j'avais déjà tout ça à manger, mais c'est pas grave. Pas mal de trucs. C'est très étrange. Calendrier, carte. Oh, on va avoir un inventaire. C'est pour aimer ça là. Il y a un truc. Je comprends pas trop. Non, ça c'est assez au niveau de température. Il me reste encore un peu de temps. Ouais, ça va, on a le temps. Air frais, c'est bientôt ça. Ok, incertaine, cabane, renommée. Renommée de poulailler, on s'en fout pour le moment. Ok. Je sais pas combien de temps il leur faut d'air frais. Gros bâtard. Ok. Ouais, bah, pour l'instant j'ai compris. Peut pas. Là il en reste 9. Cool. Je pense qu'on en aura assez. Il faut qu'on aura tout récupéré. On aura vraiment ce qu'il faut. Voilà. Et on va aller chercher une potion à Vera. Attends, on va pas aller pas chercher une potion à Vera parce que j'ai pas envie qu'il me... Air frais, c'est bon. J'ai pas envie qu'il me suive. Arrêtez de me suivre. Arrêtez de me suivre. Ah ouais, il y en a un qui a passé. Bon, tant pis. Et Vera, elle est par là. Petit nénuphar. Oh. Mais il est sympa lui. Voilà. Il y a de l'énergie là-bas. Et Vera elle est là. D'accord. C'est bon à savoir. On va chercher la potion. Parler. Bonjour. Non, pour l'instant j'ai pas envie de te parler. Je veux parler à Vera. Bonjour. Doctoresse de la ville, vend des potions. Au printemps j'ai cherché les moules à la plage, elles sont faciles à trouver. Discussion. Félicitations à ton arrivée. Ok, ouvrir la boutique. Il n'y a pas grand chose à faire. Et donc, petite potion de soin. Petite potion de mana. Petite potion de célérité. Ah ouais, accélère tes déplacements pour une courte durée. On peut essayer. Ça peut être utile. Petite potion de confusion. Réduit les dégâts subis et permet d'étourdir les babazards qui les touchent. Bon, pourquoi pas. Petite. Créer une petite mule défensive qui absorbe tous les dégâts deux fois. Revenons. Ok, là on va aller voir Cléo. Mais avant d'aller voir Cléo, j'ai vu qu'il y avait Ginette qui voulait me parler là. Comme on n'est pas très très loin. À la plaine d'abondance. Hop. Voilà. On va aller voir Earline. Je sais pas ce qu'elle me veut. Il y a peut-être des animaux à récupérer que le soir. Ce serait pas mal. Ah, si après il faut s'occuper de tout, tu restes juste dans ta grange, enfin dans ta ferme. Ça c'est vraiment... Il y a encore pas mal de questions que je me pose. Wow. Ouais, d'accord. C'est de l'arnaque. Tac tac tac. Okay. Dans mon inventaire, ouais, ça je peux le. Voilà,
serait là dans le coin. Voilà. Bonjour. Avant ton arrivée, nous avons vu un nouveau visage. Il y a encore une quête. Content de te voir, tu as l'air de quelqu'un qui a envie d'apprendre. Apprendre à parler le plus. Je n'y avais jamais pensé, mais un signe de la main amicale m'a toujours suivi. Ton interaction cellule est justement ce dont tu as besoin. Dès que tu trouves dans la zone de tes animaux de la ferme, essaie d'utiliser ce signal pour les faire venir à toi. Wave près d'un de vos animaux. D'accord. J'aime cet état d'esprit. Ok. Elle est pas... Non, elle c'est bon. Mais du coup, c'est que des quêtes à la con, là. Donc c'est des quêtes annexes, c'est pas la quête principale. C'est sûr. Donc là, si je les sors... Attends, me suivre. Y. Ok, et elle m'a dit, j'avais une interaction wave. C'est ce que je faisais tout à l'heure, là. Salut. Femme. Ok. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? Ok. Ça a pas l'air d'être ça. Là, j'essaye tout. Ok. Donc là, si je retourne dans mon truc de... d'inventaire, il y a peut-être moyen... Non, pas d'inventaire, tac, 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 tac. Des quêtes... Retourne voir Frida pour obtenir une récompense. Ah ouais? Attends, le statut ami avec des personnes. Ah bah tu vois, je... Donc Frida, c'est bon. Ok. Bah lui, non, je veux pas qu'il me suive. Voilà. Et puis il reste dehors tout seul. D'accord, donc là il rentre. Et avant d'aller voir Cléo, j'aimerais bien finir le truc avec Frida, ça serait pas mal. Et Frida, elle était là. Comme ça, on aura fini ce sujet-là. Et on pourra attaquer Cléo. Je fais des amis. C'est magnifique. Me demande pas comment j'ai fait, je sais même pas moi-même. Qu'est-ce que tu aimes, tu travailles tout le temps, n'est-ce pas? Compléter la quête. Tu as l'air de bonne humeur, parle-moi de ta nouvelle connaissance. Je dois en savoir plus. Ça a l'air adorable, il y a autre chose. Je suis ravi pour toi, j'ai l'impression que c'est la première d'une longue. Ok. Bon, on a terminé cette quête-là. Ça, c'est vite de... Il s'est pété, il est temps de rentrer. Ouais, ouais, on a le temps, hein. Ok. Donc ça, ça fait zizir. Calendrier, c'est quoi ça? Dédit le 5. Oh, trop tard, hein, c'est passé. D'accord. Ok, c'était bon à savoir. Au niveau des quêtes, on va voir Cléo. Là, c'est bon. Donc là, tac, je fais moi et je vais aller voir Cléo qui est... Non, là, c'est bien ça. Attends, ça se cache encore. Vera. Peut-être non, il veut pas me donner le port. Ah bah j'y suis déjà, c'est pour ça. Ok, Rita, Loretta, Mel, mine de salée. Oh, c'est pas grave. Et là en mode j'arrive pas à voir ce que je veux. Ce n'est pas un problème. Ah là il y en a un. On peut peut-être aller chercher là. Tapis à Dami. Là je peux marcher là. Non, je peux pas.
Ok, un petit peu d'énergie. Ok, ça c'est pas pour l'instant. C'est elle, mon ami, hein. Qui sait? Ok, donc là ils sont tous partis dormir. Parce que j'arrive pas à la retrouver. La mouvance, Yarita. Casse au port. Burn, Mike, non. Eh ben on va aller dormir et puis on ira la voir plus tard. Que je sais pas où elle est. Putain, on peut pas y aller là. Voilà. Petit bug. Oula. Pause. Je comprends pourquoi. Je comprends. Donc le jeu se met automatiquement. C'est pour ça qu'on trouvait pas. Et là, on va aller voir Cléo. Puis après, on va se laisser là. Alors, on faisait ça. Waouh! Non, mais je veux pas. Je veux l'arroser. Con, quoi. Mais j'ai enfin mes navets. Ok. Je sais pas si j'ai assez d'herbe. Normalement oui. Non, il n'y a plus d'herbe. Ok. C'est vrai que le truc automatique, ça va être bien quand même. Si je prends ça. Ta 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 ta. Là, j'ai de la roquette. J'ai mes potions, mais j'ai pas d'herbe. Comme j'ai plus de place, je suis coincé. Donc du coup, il va falloir agrandir ça rapidement. Et... ça je laisse. Ok. Du coup, je vais prendre ça. Voilà. On va leur donner. Comme ça, on va être tranquille. Bon, de toute façon, ils prennent l'air. Ah, ils m'ont donné des trucs là. Niveau 2. Mais ça, je sais pas ce que c'est. Coton brut. D'accord. Bah, ça servira certainement plus tard. Air frais, ok. Mais il est où le lapin, il est là, ok. Tu prends de l'air frais tout seul. Comment on le brosse lui? Bon, c'est Y. Parce qu'on a 10 000, mais laisse tomber, je passe la journée à le faire. Ok. Sac à dos est plein. Enfin, un petit moment qu'il est plein. Donc déplacer. Ok, il y a peut-être une couveuse à créer après. Et ça. Un ingrédient utilisé pour le tissu. D'accord. C'est bon à savoir. Est-ce que je vais réussir à enfin enlever mes navets? Quand même. Galère, hein? Oh, des putains de navets. Hop. Et voilà. Du coup, les navets, on peut peut-être. À mon avis, on peut les faire cuire. Ouais. Voilà. Et l'œuf. Œuf dur. Ok, préparation de l'œuf, mais simple et délicieux. Bah, écoute, pourquoi pas préparer. Ça, ça fera de la bouffe pour plus tard. Et voilà. Bon, on les laisse et maintenant on va voir Cléo et on va se laisser là. Je sais pas où elle est. Aspen. Bon, peut-être. État. Non. Place de la ville. Cléo. Ça bouge tout le temps, elle. De fou. Ah, ah. Ah, j'aurais essayé. Est-ce qu'il va passer tout? Non, il ne veut pas passer tout. Ok, obligé de prendre le pont. Là, elle va être par là. C'est super intéressant, je vois pas le temps passer. Hein. Là, clairement, il y a une quarantaine de minutes qui sont passées ensemble. Hey, salut! Et ben, tu as vraiment besoin d'avoir l'expérience en matière d'exploration. On a complété la tête. Montre-moi ce que tu as ramené dans les techs. Voyons voir, potion, nourriture, on dirait que tout est prêt. Je crois que tu peux prendre le relais avec les deux. Ok, bon, on ira à la mine
Nous autres explorateurs, donjon. Peu donjon, tout espace vaste et potentiellement dangereux dans lequel on pourrait souhaiter. Donc on va se faire notre premier donjon. Il est possible de quitter le donjon à tout moment, mais il faudra refaire des étages déjà parcourus. À moins que je te conseille de fabriquer un saut de donjon au fur et à mesure. Je vais t'apprendre comment faire si tu as une minute. Saut de donjon est une petite école magique qui te permet de revisiter directement un étage précis de ton donjon sans avoir exploré. Un peu de magie, un peu d'ingéniosité et de bricolage, et te voilà en raccourci authentique. Il ne te manque plus qu'un peu de cuivre pour en fabriquer, et tu devines où tu peux en trouver dans. N'oublie pas qu'il faut placer les sauts de donjon dans l'ordre. Un saut en premier niveau, puis un autre saut. Okay. Pourquoi ne pas essayer de fabriquer un saut de donjon? Pour cela, il te faut un poste de préparation de saut. Si tu en as pas, déjà, hein, tu devrais pouvoir le fabriquer sans mal. Récupère du minerai de cuivre fabriqué et placé. Poste de préparation de saut fabriqué. Ok, mais moi pour l'instant, ça c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que j'ai pas de cuivre. Donc voilà. Donc là, on va aller voir Jean Ginette et puis on va se quitter là. Cette fois-ci, on va vraiment se quitter. Parce que sinon, je passe des heures. Hein. Hop, elle a quoi? Content de te voir. La neige de moment. Ok, j'avoue, j'ai commencé avec un signe de la main amicale, mais toujours suffit pour rappeler un animal. L'attention de salut est justement ce dont tu as besoin. Ok. Alors. Salut. J'aime cet état d'esprit. Va à ta ferme utiliser l'interaction salut près de tes animaux. Enregistré. Ok. J'ai pas déjà fait salut. Oh, je suis con, mais. Je me rappelle pas. Tous mes animaux. Ok. On voulait. Bon, je veux juste faire salut. On va essayer avec lui. Ok, on a fini la quête. Moins quête débile, ça. Pas de forme. Fait perdre du temps. Moi, celle-là sera clos. On a fait des amis. Je sais même pas comment j'ai fait pour les amis, mais. Ce n'est pas grave. Voilà. Et voilà, salut. Oh, c'est toujours la même phrase, c'est chiant. Signal d'émotion. Laisse-moi deviner, tu as tellement salué que tu ne peux plus lever le bras. Voilà. En ton naturel, pense à n'en fais pas trop. Si mes habitants vont croire que tu te fais attaquer par un essaim d'abeilles. Ok, ça c'est bon. Ça c'est fait. Bah du coup, on va se laisser là. Et puis je vous dis à la prochaine sur Agatha TV pour l'épisode 4. Salut!